Il ira certainement crucifié. Il l'avait décidé avant même son arrestation. Je ne comprends pas pourquoi le grand prêtre est si pressé. Je n'ai jamais vu un procès au crépuscule en plus, une veille de Pâques. Qui êtes-vous ? Samuel de Hébron et Jonathan de Berzure, docteur en droit et membre du Sanhédrin. Vous êtes attendu. Entrez. Faites entrer les témoins! Il en a guéri beaucoup parmi les pauvres. C'est un homme de Dieu. C'est surtout un homme dangereux. Jusqu'à présent, les témoins ont accusé le prisonnier d'avoir mangé en compagnie de pécheurs notables. Mais ce n'est pas tout. Écoutons ce que Matthieu le pharisien a à dire. Connaissez-vous cet homme? Oui. C'est Jésus de Nazareth. De quoi l'accusez-vous ? Il a perverti l'esprit de mon frère. Parle-nous de son crime. Dis-nous ce que tu sais. Mon frère, un jeune homme inexpérimenté, alla un jour le voir. Lui, ce rabbi, afin de savoir ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Savez-vous ce qu'il lui a répondu ? Abandonne ton père et ta mère. Donne ce que tu possèdes aux pauvres. Entendez-vous cela? Il lui a dit d'abandonner son père et sa mère. Pourtant, il est écrit, tu honoreras ton père et ta mère. Oui, c'est vrai, il a raison. C'est troublant. On abandonne son père et sa mère. Mais on ne peut pas le condamner pour ça. Nombreux sont ceux qui ont été convaincus de quitter leur foyer ou leur emploi afin de suivre ce faux prophète sur les routes comme de vulgaires vagabonds. As-tu quelque chose à ajouter? Eh bien, cet homme a demandé à mon frère de vendre tous ses biens, ses moutons, ses serviteurs, tout ce qui a fait notre pouvoir. Que devait-il faire avec l'argent? Réponds. Que devait-il faire du produit de toutes ces ventes?
Il lui a dit de tout donner aux pauvres. À ses amis. Ce Nazaréen est venu à Jérusalem uniquement pour créer de l'agitation. Quant à toi, Nazaréen, qu'as-tu à dire pour ta défense? Comment justifies-tu tes actes? J'ai toujours discuté ouvertement avec tous. Dans les synagogues et dans les temples. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu. Si j'ai parlé injustement, dis-moi en quoi j'ai été injuste. Mais si j'ai dit la vérité, pourquoi me frappes-tu? Oh. L'issue de ce procès était déjà connue avant même son commencement. Je sais, Joseph, tout le monde le sait. Le Sanhédrin a peur de lui, peur qu'il ne dresse le peuple contre son autorité. Les faits me semblent clairs jusqu'à présent. Ce n'est pas suffisant pour condamner un homme juste, ce n'est pas suffisant. Des témoins l'ont vu ne respectant pas le sabbat sacré et défendant une femme adultère. Il laisse les foules l'acclamer comme s'il était un roi. Il évoque un nouveau royaume et énonce les règles d'une nouvelle loi. Mais nous disposons déjà d'une loi, et il s'agit de la loi de Moïse. Saül, il y a d'autres témoins? Faites entrer d'autres témoins! Les fils d'Israël que voici ont entendu l'accusé prononcer des paroles terribles contre le temple. Ils disent que c'est un blasphémateur. Pouvons-nous faire confiance à ces hommes? Nous avons passé des jours entiers à chercher des témoignages contre lui, et nous n'en avons trouvé aucun. Et les affirmations de ces deux s'y concordent. Au moins, nous en avons deux qui coïncident. Donc, vous avez entendu l'accusé parler du temple. Quelles ont été ses paroles? Ce que j'ai à dire, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Que je sois frappé par la foudre si je profère le moindre mensonge. Cet homme m'a dit... Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Il l'a dit. J'étais présent. C'est vrai. Il a dit, je détruirai ce temple. Ensuite, il a dit, ce temple a été bâti par la main de l'homme. J'en construirai un autre sans son aide. Coupable ! Coupable ! Nazaréen, n'as-tu rien à répondre aux accusations de ces hommes? Réponds, ou sinon, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie. Voilà ce que je veux savoir. Alors, es-tu le Messie, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Je le suis. C'est moi. Si je vous le dis, vous ne le croirez point. Et si maintenant je vous interroge à ce sujet, vous ne répondrez point. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Donc tu l'admets. Tu affirmes que tu es le Fils de Dieu. Tu l'as dit. C'est toi-même qui l'as dit. Je le suis. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous êtes témoins de ce qu'il a dit. Nous l'avons tous entendu blasphémer. Il ne nous faut rien de plus pour le condamner. Qu'en pensez-vous? Rendez votre jugement. Il mérite la peine de mort. Conduisez-le chez Pilate. Est-ce que tu en veux? Oui, merci. As-tu vu l'homme qui m'accompagnait? Quel homme? Le disciple de Jésus? Il était là il y a un instant.
Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce Nazaréen, pour nous tenir tous en éveil, maître et serviteur? Cet homme est un prophète, un homme juste, un homme qu'il craigne. Marc! Que fais-tu ici, à une heure si tardive? Ils ont arrêté le rabbi. Ils ont arrêté le rabbi. Je sais. Partons. Je te ramène à la maison. Nous sommes en danger. Nous allons tous être recherchés. Je l'ai renié. Tu comprends? J'ai eu peur. Que comptes-tu faire? Te laisser arrêter aussi? Je n'ai pas perdu espoir. Nous avons des amis, des membres du Sanhédrin qui nous respectent. Et puis, il y a une loi à suivre. Ils ne peuvent pas condamner un innocent. Je l'ai renié. Je n'arrive pas à y croire. Je l'ai renié. Est-ce que tu l'as vu? Oui, ils sont tous contre lui. Il est comme un agneau destiné au sacrifice. L'as-tu vu? Avant qu'il ne soit conduit à Caïphe. Entrez. Qu'y a-t-il? Caïphe demande à être reçu immédiatement pour une affaire de justice. À cette heure? Tout le Sanhédrin est avec lui. Le gouverneur romain salue le grand prêtre suprême, Caïphe, et l'honorable Sanhédrin. Entrez, je suis à vous. Très noble gouverneur, vous connaissez nos traditions. C'est la veille de la fête de Pâques. Il ne nous est pas permis de pénétrer dans la demeure d'un noble. Noble Caïphe, pourquoi m'amènes-tu cet homme enchaîné alors? Le Sanhédrin vient de le juger. Cet homme est condamné à la peine de mort. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas exécuter la sentence nous-mêmes. C'est une tâche que vous, les Romains, vous vous êtes assignée à vous-même. Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, qui l'empêchait de payer l'impôt à César, et qui se disait lui-même le Messie, roi. Si telle est la raison de votre visite, je vais examiner le cas. Nous attendrons ici ton jugement, noble gouverneur. Donc, tu es le roi des Juifs. C'est toi qui le dis. C'est pour cette raison qu'ils veulent ta mise à mort? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume... mon royaume n'est pas d'ici. Il n'a pas de garde, pas de soldats, et pas d'espions. C'est un prophète. Il explique les Écritures au peuple. Le Sanhédrin craint qu'il ne monte la population contre son autorité. Donc tu l'admets? Tu es roi, mais d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Tu le dis. Voici pourquoi je suis né. Et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Quiconque aime la vérité, écoute ma voix. La vérité, quelle est la vérité? Eh bien, noble Caïphe, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Est-ce là le geste d'amitié et de protection que Rome nous a promis? Comment pouvez-vous affirmer qu'il est innocent? Cela fait des années qu'il soulève le peuple en enseignant. De la Galilée à la Judée, il se déclare roi. Cet homme est-il un Galiléen? Oui, il vient de Nazareth. Alors Hérode est son roi. C'est vrai.
Mais c'est ici, à Jérusalem, que la population l'a acclamé comme roi. Conduisez-le chez Hérode, qu'il le juge. Ça tombe bien, il est à Jérusalem. Escortez-le jusqu'à son roi. Mais pourquoi tant de réticences inutiles ? Serait-il ami avec les Romains ? Ta coopération nous fut très utile. Tu as tenu ta promesse. Nous l'avons capturé sans manifestation ni soulèvement, comme nous le souhaitions. Oui, vous l'avez capturé. Je vous ai laissé le capturer. Je l'ai trahi pour vous. J'ai trahi mon maître. J'ai vendu le sang d'un innocent. Tu as été plutôt bien payé pour ce service. Pourquoi viens-tu te plaindre ? Tu parles de tes 30 deniers. Reprends-les. Ah ! Non, cet argent servira pour acheter un champ. Le champ du potier, comme ça, nous aurons un cimetière pour les étrangers. Cet argent est entaché de sang. Nous ne pouvons pas le remettre dans le trésor du temple. Cela fait des années que je désire te rencontrer. Tu étais l'ami de Jean, n'est-ce pas ? Pauvre homme. J'ai parlé avec lui. Ensuite, il a perdu sa tête. Les gens affirment que tu es un prophète. Tu as accompli de grandes choses. Je n'aime pas du tout ce vin. Peux-tu me rendre un petit service ? Il paraît que tu es un expert en la matière. Change l'eau contenue dans ce pichet en vin. Oh, c'est toujours de l'eau. Il ne m'aime pas. Il veut que je meure de soif. Hérode, que veux-tu ? Hérode, cet homme affirme qu'il est un roi. C'est un agitateur. En accord avec le Sanhédrin, il devrait être condamné à mort. Comme c'est un de vos sujets, nous l'avons amené devant vous. C'est Pilate qui en a donné l'ordre. Non, cet homme n'est qu'un imposteur. Que lui avez-vous fait ? Il n'a pas l'air d'aller bien. Après tout, c'est un de mes sujets. Il doit être respecté. Comment ça, respecté ? Mais enfin... Remédions à cela. Apportez-lui de beaux habits. Remettez cet homme à la justice du gouverneur romain. J'ai pleinement confiance en sa sagesse et son respect de la loi. Je n'ai aucune raison de le condamner. Ce n'est qu'un pauvre fou. Je me demande qui ça peut être. Je le sais. C'est Judas l'Iscariote. Un des disciples du Nazaréen. On dit que c'est lui qui a trahi le maître. Quelle façon de mourir. Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Même Hérode ne le trouve pas coupable. Il le renvoie chez moi. Voici ma décision. Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Oui, il sera puni. Mais ensuite, je le relâcherai. Non, pas le relâcher. À mort. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous te l'avons amené. Le Sanhédrin a déjà débattu de ses crimes et a déjà prononcé un jugement le condamnant. Les cœurs sont amers. Le peuple de Jérusalem aime Jésus. Tous ceux qui l'ont rencontré, de la Galilée à la Judée, tous aiment Jésus. Tous l'ont béni. Ils l'ont vu. Le peuple aime Jésus et le suit.
eux, le peuple ne les aime pas et n'est pas prêt à les suivre. Barabbas, Barabbas! Voici Barabbas. Il a pris part à une révolte et il a tué un homme. Vous connaissez bien cet homme. À l'occasion des fêtes de Pâques, il est de tradition de libérer un prisonnier. Vous savez cela. Je m'en remets à votre sens de la justice. Qui voulez-vous que je libère cette année, Barabbas ou Jésus le Messie? Barabbas! 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 Pilate sait bien qu'il haïsse Jésus. Il ne veut pas les décevoir. Il devrait avoir honte. Avoir honte. Que dois-je faire alors de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? Mais quel mal a-t-il fait? Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Je m'en lave les mains. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Après l'arrestation de Jésus, son procès dura une nuit entière, la nuit entre le jeudi et le vendredi précédant la Pâque des Hébreux, qui devait être célébrée le samedi. L'assemblée qui gouvernait le peuple hébreu et qui rendait la justice s'appelait le Sanhédrin, et le Sanhédrin avait condamné Jésus à mort. Cependant, depuis le début de la domination romaine en Palestine, bien qu'il possédait le droit de prononcer des peines capitales, le Sanhédrin ne pouvait pas exécuter ses sentences. Ce pouvoir incombait au préfet romain, qui pouvait également refuser une requête d'exécution capitale. C'est pour cette raison que la condamnation à mort prononcée à l'encontre de Jésus par le Sanhédrin devait être examinée par Ponce Pilate, le préfet romain de l'époque, conformément à la loi romaine. Ponce Pilate étudia le cas, mais ne trouva aucun crime justifiant la mise à mort de Jésus. Une des accusations portées par le Sanhédrin à l'encontre de Jésus est d'avoir conspiré contre le pouvoir politique de Rome en se faisant appeler roi. Jésus avait pourtant clairement expliqué que son royaume n'était pas de ce monde. Mais ceux qui avaient choisi de l'accuser préféraient ignorer cette précision. Pilate avait compris que Jésus lui avait été livré par jalousie du succès de ses enseignements auprès du peuple. Convaincu de l'innocence de Jésus, et ne souhaitant pas s'impliquer dans ce qu'il considérait comme de futiles chamailleries entre Hébreux, il tenta de rejeter la responsabilité de la décision sur quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre se trouva être Hérode Antipas, tétrarque ou gouverneur de Galilée. Jésus était originaire de Galilée, la région palestinienne se situant au nord de Jérusalem. Il était dès lors assujetti à la juridiction civile d'Hérode Antipas, qui résidait justement dans son palais de Jérusalem à cette époque. Pilate lui envoya donc Jésus. Mais Hérode Antipas non plus ne trouva pas Jésus coupable d'un crime capital, et après s'être moqué de lui, il le renvoya à Pilate. Le préfet romain ne voulait pas se prononcer concernant une sentence qu'il considérait comme injuste, mais en même temps, il ne souhaitait pas offenser le Sanhédrin. Il parvint à un compromis absurde basé sur une coutume qui consistait à libérer un prisonnier lors de festivités régionales. Pilate demanda à la foule « Qui voulez-vous que je relâche pour vous, Barabbas ou Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Sous l'influence des prêtres et des membres du Sanhédrin, la foule répondit « Barabbas ». Elle demanda que Jésus soit crucifié et son vœu fut exaucé. Jésus, le Galiléen de Nazareth, fut donc crucifié.
après un procès des plus injustes.